C'est extraordinaire. Ouais. On a là la dame qui a été la première femme avec sa mère à voir la seule photo de Lautréamont surgir d'un album de photos d'un ami de la famille et d'un ami d'enfance de Ducasse qui s'appelait Dazé, qui est d'ailleurs très, très, très connu dans les œuvres de Ducasse. Eh bien, madame avec sa mère et son fils, Jean-Jacques, le plus grand biographe français, eh bien, sont allés dans cette famille et ont découvert la photo. Alors, racontez-nous comment elle a surgi de l'album. Elle n'a pas surgi. Vous connaissez Jean-Jacques ? Oui. Bon, pointilleux. D'accord. Bon, il est resté dans le grenier. Il est descendu en disant, si vous permettez, oui, prends. Il a reconnu Lautréamont sur la photo. Père, qui était à côté de son père. À côté de son père. Ouais. Mais c'était écrit sur l'album. Bien sûr. En fait, il a reconnu surtout la photo du père de Ducasse. Il y avait déjà plusieurs photos, on les connaissait. Et à côté, donc, le père et le fils. D'accord. Il manquait presque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était presque Dazé, d'une certaine façon, parce qu'il a compté beaucoup pour l'autre. Oui. Et alors, donc, il est descendu du grenier, Jean-Jacques, avec la photo. Ouais. Et il vous l'a montré à vous et à votre mère aussi. Et à la grand-mère. Et la grand-mère. Qui a certifié. Qui a certifié, c'est bien Isidore. Ah oui. Ah oui. Voilà. Exactement. Alors là, comment s'est passée la sortie de c'est quoi, une maison, un appartement? Pour exfiltrer la photo. Oui. De la confiance. De la confiance. L'album a été confié pour quelques jours. Ces quelques confiance jours sont devenus et quelques inconscience. Semaines, et puis, il n'en voyait pas la valeur de cette photo. C'est bien sûr, c'est normal. Qui à l'époque s'intéressait à Lautréamont? Enfin, à Ducasse. Oui, mais quelques-uns quand même dans la littérature. Non, souviens-toi tout de même, il y a... À partir du moment où l'information était sûre, moi j'étais très jeune à l'époque. Bien sûr. Il y a François Carrelet qui a fait le déplacement de Paris. Bien sûr. Qui a pris le train. Bien sûr. Je veux bien voir la photo. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ça m'étonne pas de lui. D'accord, mais attends, personne. Admirable Carrelet. Ah oui, un seigneur. Ouais. Exactement. Vous étiez là d'ailleurs quand on a fait le colloque, là où je l'ai rencontré. Mais merveilleux, merveilleux. Et donc, quand vous êtes sorti, c'était quoi, un appartement ou une maison? Maison. Et vous êtes sorti avec votre mère, oui. Et lui, et Jean-Jacques. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit alors? Là, il a dit quoi? J'ai trouvé la photo de Lautréamont. Même pas. Ça n'avait pas d'actualité. Non. Ce qui est excitant, c'est surtout la recherche. Une fois qu'on a la découverte, finalement, l'émotion tombe. Mais ça ne devrait pas, au contraire. Ça devrait pas, il y a une nouvelle émotion qui devrait naître, l'émotion du visage. Parce que comme vous savez, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait, moi c'est d'après la photo, mais il y a aussi cet autre dessin troublant de Félix Vallotton, qui lui ne pouvait pas connaître la photo. Et il a fait le seul portrait d'Lautréamont ressemblant sans avoir connu la photo. Puisque la photo c'est 77, ça, 76, 77. La découverte 74, 75. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah ben, elle a été diffusée dans le monde entier. Mais dans le monde entier. L'original était vendu par la famille. Voilà. Ça va bien? Ça va vous intéresser? Il y a plein de discussions. Ducassienne, Lautréamont. Alors. Je vais vous dire autre chose. Moi, j'ai très bien connu un des descendants du professeur de dessin de Ducasse. Tous les dessins ont été brûlés. Pourquoi? Et par qui? Par les descendants du professeur de dessin qui n'ont pas vu la valeur. Oui. Oui. Parce qu'un dessin d'Isidore Ducasse, c'est... Ça n'avait rien. Ça a été brûlé. Ça ne valait rien. Et son professeur de dessin s'appelait Monsieur Lataste, dont je connaissais très bien le petit-fils. Quand je lui dis, écoute, tu vas me trouver des photos, tout a été brûlé. Et vous vous souvenez pas des commentaires que vous avez pu faire à l'époque sur la photo, sur l'expression de son visage, à Lautréamont, sur la photo? Je sais pas. Qui à Tarbes connaissait? Non, mais vous, votre mère et Jean-Jacques, je veux dire. Tiens, il a l'air comme ça, c'est comme ça que je le voyais. Il a l'air d'un tarbé, vous voyez. Vous me prêtez beaucoup de connaissances. Mais qui vous en avez, madame? Oui, non, mais... qui connaissait Lautréamont? Mais vous l'aviez lu, et Jean-Jacques aussi, bien sûr, sinon il aurait... Moi, non. Voilà. J'ai essayé. Mais ça, je ne savais pas le détail. C'est très intéressant, je trouve, de savoir qu'il a découvert ça avec sa mère et sa grand-mère, par exemple. Vous étiez tout petit, alors? Ah oui, non, j'étais pas dans le... Vous aviez l'âge de Dazé, à l'époque. Quelque chose comme ça. Plus jeune. Encore plus jeune. Bah, tu devais avoir 7 ans. Mais j'en ai gardé un souvenir très vif, que tout de même était un sacré chahut familial. Ah bon? Il pistait cette photo depuis X temps. Ah oui, puis surtout que c'est le premier découvert mondial, c'est au monde, c'est pas personne. Mais il est allé à Montevideo aussi. Oui, ça je sais. À Montevideo, on a de la famille.
Par hasard, finalement, bah, oui. À cause de Tarbes, oui, toujours. Oui, et qui ne connaissait pas vraiment. C'est incroyable, ça. Non. Extraordinaire. Parce que, à Montevideo, il s'appelait Ducasse. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, pourquoi l'autre est amant? D'après les recherches, c'est l'autre est amant des vidéos. Oui. On peut dire ça, c'est aussi l'attrait au mont avec la coquille corrigée de Gensu, etc. Oui. Enfin, oui, il y a... On peut choisir. On peut choisir. Mais je crois qu'il y avait est-ce qu'il y a pas la biographie de Ducasse qui est traînée là oui, c'est ça qui est incroyable. Laurent, qui avait la biographie. Et Laurent, voilà, il a rapporté. Oui. Il y avait un de nos amis qui lisait ça, je crois, ici, oui, sans savoir que vous allez venir. Bon, ben, c'est bienvenu, évidemment. On est très touchés de votre visite. Mais il est mort très jeune, l'autre amant. Ah oui, 24 ans. Pour leur maman. Exactement, il y avait une plaque qui a été arrachée. C'est devant chez Chartier, vous savez Chartier, le restaurant Chartier. Il y avait une plaque devant exactement la même adresse que Chartier. Elle a été retirée et volée. Non, elle a été volée. Oui, elle a été volée. Pour l'instant, elle n'est pas remplacée, je crois. Mais quelqu'un avait fait un graffiti. Mais au lycée de Tarbes, on ne parle jamais de Rimbaud. Ben évidemment, mais au lycée de Charleville, on ne parle jamais de Rimbaud non plus. Mais cela dit, il y a tout de même maintenant un lycée qui s'appelle le lycée de Rimbaud. Ah oui, maintenant. Oui. Il y a une rue aussi. Il y a une rue. Maigre postérité. Je ne sais pas si c'est lui rendre un si grand hommage que ça. Non, c'est toujours officiel. Oui. Oui, le hasard. Mais voilà. Dans les greniers Tarbes, il y a peut-être encore des choses à trouver. Hein. Ah ouais. Dans les archives du lycée, peut-être. Il a tout écumé, là. Oui. Ben, mais moi, je pense qu'il peut y avoir une photo, un document de l'époque parisienne. C'est là où il pourrait y avoir quelque chose. Dans le quartier, justement, de Montmartre, où il habitait, la rue Vivienne et tout ça. On ne sait jamais, il a pu se faire faire une photo. Ça a été écumé, tout ça. Oui, oui, oui. Moi, il m'a traîné souvent au jardin des Tuileries parce qu'il y avait un aigle. Un aigle, bon, oui, alors. Un rhinocéros, c'est ça. Un rhinocéros, un aigle. Bien sûr. Oui. Et la même chose avec Rimbaud. Alors, c'est encore autre chose. J'ai fait un portrait, il y en a un qui est exposé de Rimbaud là-haut. Il y a encore un autre lettré à Mont et puis un Rimbaud. Oh, voilà. Et puis à Céline, finalement, il y a tous les sujets de Jean-Jacques, les sujets de biographie. Que vont devenir tous ces travaux qu'il a fait sur Céline pendant. C'est ça, c'est un petit côté Antonin Artaud. C'est Céline, il a travaillé sur Céline pour faire sa biographie là, de 3000 pages, il m'avait raconté. Oui, malheureusement, il a le temps de le finir. Il pas voilà. Fini. Ouais. À peine entamé, il avait remis une documentation extraordinaire. Voilà, ouais. Mais vous avez encore tout ça. Oui. Oui, mais c'est vous qui avez ça. Il y a une centaine de pages de brouillon. Mais gardez ça précieusement. Les 3000 pages qu'il devait faire. Il n'a rien rédigé. Une centaine de pages. On n'a pas tout exploré. Le plan, vous avez le plan quand même. On en avait beaucoup parlé de ça. Beaucoup de choses, mais... ah, ouais. Et puis il avait un autre projet qui était celui de Choron. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour connaître la question. Oui, mais là, c'est... On peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire, oui. Bon. Je l'ai suivi professionnellement, on va dire. Voilà, Choron. Il se trouve que le hasard fait que monsieur le frère a été aussi le médecin de Choron et l'assistant dans ses derniers temps. Alors, je l'ai connu, moi, au moment de sa maladie. Oui, mais alors, sous un aspect très différent. Un monsieur tout à fait correct, gentil, très loin de. Bien sûr, Bernier, monsieur Bernier. Monsieur Bernier. C'est comme Ducasse et l'autre est à Mont, vous voyez. Il y avait monsieur Ducasse Bernier et le comte de Choron. Alors, avec Choron, on avait sympathisé tous les deux. Et on était l'un et l'autre passionnés par les champs de bataille de l'Argonne, le 14 ça. Il m'avait invité chez lui pour aller visiter les en Lorraine dans l'Argonne. À Breville. Dans l'Argonne, ouais. Et malheureusement, bon, il est mort très peu de temps après. Et voilà. Puis bien sûr, la première fois où je l'ai vu, j'ai fait la gaffe, je ne sais pas très bien qui était le professeur Choron à l'époque. Je l'installe, et puis il était avec une jeune femme que j'ai pris pour sa fille. Oui. Et il m'a dit, ah non, c'est ma femme. Tout à fait, mais c'est Sylvia qui a écrit un livre sur lui, merveilleux, où elle raconte toute son expérience. Ça a commencé mal. Bien sûr, oui. Alors Choron, donc Jean-Jacques avait l'intention de faire une biographie sérieuse et documentée sur lui. Comment on devient le professeur Choron? En partant, en ayant... Alors, je ne sais pas s'il avait commencé à réunir quelques documents, mais on avait beaucoup parlé de ça. Il y avait beaucoup de choses. Il avait rédigé aussi un chapitre de la collection Histoire littéraire. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'était un projet qui aurait été phénoménal, quoi, de faire Ducasse, La Forgue, Rimbaud, Céline et professeur Choron. On va finir avec Choron. C'est...